François, c'est sûr que la raison pour quoi on se parle ce soir, c'est que c'était pour annoncer que la Banque nationale est maintenant partenaire en titre de Découverte des étoiles pour l'année 2014. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça s'est déroulé à l'intérieur de la Banque nationale? Oui, certainement. Ça n'a pas été trop compliqué. De toute façon, je t'ai appelé, tu m'as parlé que tu avais un programme, tu avais besoin de ressources supplémentaires et tu t'es présenté dans mon bureau, nous expliquer un peu le programme et honnêtement, personnellement, je suis tombé en amour avec le programme parce que les raisons pour lesquelles ça existe, ça me touche personnellement. Ça touche la communauté où est-ce que j'habite, mais ça touche aussi la banque. La banque a trois grandes orientations qu'elle s'est données depuis 2 ans. C'est la jeunesse, les jeunes entrepreneurs et le marché de la communauté anglophone au Québec, mais aussi à l'extérieur du Canada. Donc, c'est sûr que le West Island, c'est un laboratoire pour la Banque nationale pour expérimenter dans le reste du Canada. Et quelles sont les retombées que Bell voit à s'impliquant avec notre chambre de commerce? Merci beaucoup pour les remerciements. En fait, la raison principale pour laquelle on s'investit toujours dans la chambre, c'est qu'on aime garder le réseau, on aime savoir en fait ce que nos clients finaux pensent du service qu'on leur fournit. Et pour moi, mes clients sont dans le domaine de la finance, toutes les banques et ces choses-là sont des grands partenaires des chambres en général. Alors, c'est toujours intéressant pour moi de pouvoir avoir leur feedback et savoir exactement ce qu'ils pensent, comment ça fonctionne et d'avoir la perception, je dirais, de l'usager final quant au service que Bell leur rend au niveau des grandes entreprises Finance Assurance au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Toujours gagnant-gagnant. Tant mieux. Puis ce soir, c'est gagnant-gagnant? Ce soir, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On a un auditoire qui est assez extraordinaire. On a vraiment du monde. C'est très, très, très plaisant. Randy, your company is a new member. Yeah. And I'd like to know, what was it that made you decide to join as a member of the chamber? Well, in my experience, I've been to other chamber events before I was a member. And just the diversity of the people that were there, the amount of members that were there, I just felt that it was really somewhere that I could go, that I would be able to expand my business and get to know more people in the West Island, more business people in the West Island. Have you made some good contacts today? You know what? I have made some new contacts. And what I like a lot about the chamber is that everybody's friendly and everybody wants to just talk to you and get to know you, who you are. And it's not very salesy, which is kind of what scares me away from a lot of organizations. So that's why I like it. There's the more social, but then you talk about the business. So it just kind of flows together. So it's also a fun event. So I don't feel like I'm working. And first of all, Joe, I want to thank you for offering your services for our President's Cocktail. I think this year we took it up to the next level. And I'd like to know from you, what is the idea behind coming to an event like ours? And can you tell me what your experience has been tonight in meeting some of our business people? Well, it was a no-brainer. I really enjoyed the relationship I had with Maggie. It was a beautiful telephone conversation, and I decided to go ahead and sponsor the event. I felt it was a win-win situation for both for the chamber and myself. There's great potential in the chamber. I'm, as you know, 30 years in the business. I've been promoting a lot of my company through many, many cocktails. I actually serve Cirque du Soleil and Cirque Eloise, which are a beautiful Quebec companies, and I'm their exclusive bar service. So that's my intake for the downtown area. For the West Island, I want to develop a little bit more of my business because I feel there's great companies and great potential in the West Island.